Les bâtiments d'aujourd'hui ont des performances thermiques de plus en plus exigeantes qui tendraient à les transformer un peu en thermos. Nous sommes très ambitieux en matière énergétique et en même temps c'est de là que nous tirons, je dirais, l'énergie en quelque sorte pour faire cette façade changeante et étonnante. En ce sens que c'est en fait plus qu'une façade, c'est une double façade. C'est-à-dire que nous avons la façade habituelle, celle du mur et de la fenêtre, mais nous avons également une deuxième enveloppe, qui est cette enveloppe de panneaux irisés, de panneaux transparents subtilement colorés. Et c'est ça qui va être la machine à reflets, la machine à profondeur du regard, la machine à profondeur de champ, tout en étant l'outil qui protège le bâtiment de l'ensoleillement sur sa façade sud, qui produit de l'énergie, parce qu'on a aussi des panneaux photovoltaïques qui vont disparaître dans cette double enveloppe, mais qui aussi enrôme, je dirais en quelque sorte, les toitures qui notamment pourront servir soit de terrasse accessible, mais aussi à recevoir des turbines à vent qui contribuent aussi à la production d'énergie gratuite pour ce bâtiment.